Ces images particulièrement choquantes que nous avons choisi de flouter ont fait leur apparition le 22 mars sur les réseaux pro-russes. Pendant plusieurs semaines, l'équipe de Vreoufake a enquêté sur cette vidéo avec l'aide de plusieurs internautes. Une enquête minutieuse pour remonter la trace d'un possible crime de guerre. Voici le récit de notre enquête. Pour commencer, nous avons relevé tous les détails permettant d'analyser ces images. Sale histoire. Elle montre sept corps qui portent les uniformes de soldats ukrainiens. On y voit des hommes ensanglantés, les pantalons baissés. Ici, le sous-vêtement a été retiré. Un coussin et un bâton sont posés sur cet homme. Autant d'indices suggérant des crimes sexuels. Sur cette vidéo, on entend un homme que l'on ne voit jamais. Il parle à d'autres hommes à ses côtés et se moque des cadavres. Le printemps viendra, mais pas pour moi. Oh putain, le petit, tu es triste aussi? Des victimes qui sont vraisemblablement des prisonniers de guerre ukrainiens. Laisse-les passer la nuit. Ils sont venus et ils se sont rendus eux-mêmes, ces jeunes. Igorek, tiens tes gars, putain! C'est toi le responsable aujourd'hui! Des propos qui laissent penser que ces hommes ont été exécutés après s'être rendus. Mais comment poursuivre l'enquête, avec cette seule vidéo pour point de départ? Avec l'aide d'internautes, nous sommes parvenus à localiser les lieux. La scène a été filmée devant ce bâtiment, ancien siège d'une entreprise de charbon. Sur des images satellites, on peut clairement retrouver ces deux arbres, ce chemin où le blindé est garé, ces éléments de la façade du bâtiment, ce monument, au fond, devant un bosquet. Nous savons donc que la scène se déroule à Pervomaïsk, dans la région ukrainienne du Donbass. Cette ville est proche de la ligne de front entre les séparatistes pro-russes de Louhansk et les forces armées ukrainiennes. La vidéo a donc été tournée dans une zone contrôlée par les séparatistes, sans qu'on sache si les soldats ukrainiens ont été amenés vivants ou morts sur ce terrain. Mais qui est responsable de ces crimes? À qui appartient cette voix qu'on entend sur la vidéo? Notre enquête nous mène à ce soldat du 6e régiment des forces armées de la République séparatiste de Louhansk. Une force qui, d'après notre enquête, contrôle bien cette zone où a été filmée la vidéo. Nous avons retrouvé ce soldat grâce aux images qu'il poste sur les réseaux sociaux. Sur cette vidéo extraite de son compte TikTok, il se filme avec un bâtiment en arrière-plan. Il s'agit d'une autre façade du bâtiment que l'on peut voir sur la scène du crime. Les mêmes éléments de décor repérés sur les images satellites. Cette bordure. Ou ces deux arbres. Alors, qui est cet homme? Nous avons retrouvé sa véritable identité, mais nous l'appellerons ici par son nom de guerre, Miron. Ce nom est inscrit sur sa carte militaire que nous avons retrouvée. Il a 52 ans, il est originaire d'Alchevsk, dans la région de Louhansk, à seulement 45 minutes de Pervomaïsk. Il est mobilisé sur le front du Donbass depuis le début de l'invasion russe et se met en scène régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et sur Instagram. Parfois, il se filme même en opération. Nous avons pu prouver que ce soldat du 6e régiment Cosaque était présent dans l'usine désaffectée 3 jours après la diffusion de la vidéo. Nous savons également qu'il est régulièrement en contact avec des prisonniers de guerre ukrainiens, comme le montre cette vidéo postée sur son compte Instagram. Allez, bougez-vous! On va vous donner des coups de pied au cul! On va vous passer dessus! Qui va sucer? Je répète, qui va sucer? Cette vidéo montre la façon dont ce soldat traite les prisonniers de guerre. Elle a été filmée le 3 avril. Il ne s'agit probablement pas des mêmes personnes que dans la vidéo de Pervomaïsk. Notre enquête butait malgré tout sur un point. Comment prouver que le soldat qu'on entend sur cette vidéo et celui que l'on voit quelques jours plus tard au même endroit sont une seule et même personne? Pour en être sûr, nous avons fait appel à des spécialistes de l'analyse de voix, la société indépendante WeSpeak, ainsi qu'un expert agréé auprès de la justice française, ont examiné sans se consulter les échantillons de voix. Les deux analyses, faites à partir de logiciels spécialisés, ont abouti à la même conclusion. La voix de l'homme sur la première vidéo et sur la deuxième coïncide presque parfaitement.
Nous avons montré la vidéo d'exaction à Karine Ardot, une juriste experte des crimes de guerre. Elle a enquêté pour différentes organisations internationales et s'est rendue plusieurs fois dans le Donbass depuis 2015. Pour cet homme, il y a quand même une position assez rigide et crispée qui montre qu'il aurait peut-être été attaché à un moment donné. Et c'est vrai que c'est une vidéo, on va dire, intéressante et qui présente un élément pour établir des responsabilités pénales, notamment pour, en effet, établir que des individus auraient pu commettre des crimes de guerre vis-à-vis des personnes que l'on voit sur la vidéo. Des enquêtes comme celle-ci sont en cours sur des centaines de possibles crimes de guerre en Ukraine. Ces investigations sont menées dans tout le pays par des journalistes, des ONG et des tribunaux internationaux ou ukrainiens. Notre enquête a toutefois abouti là où beaucoup d'autres s'arrêtent. Car nous sommes parvenus à retrouver et identifier précisément l'un des auteurs présumés de ces atrocités. Nos recherches devront maintenant être complétées par une enquête de la Cour pénale internationale ou de la justice ukrainienne. Mais tous les éléments que nous avons réunis pointent vers cet homme, comme l'auteur de cette vidéo d'horreur. Il devra donc un jour s'expliquer de ses actes.